Parlons high-tech. Cher Cédric, un grand bonjour. Oula, bonjour, vous êtes venu accompagner, si je puis dire. Équipé. Équipé. Cédric, cette semaine, des objets qui vont changer notre façon de boire, avec modération. Évidemment avec modération, c'est un peu matinal pour en parler, mais il y a un problème récurrent pour tous les amateurs de vin. Vous ouvrez une bouteille, est-ce qu'il faut la carafer? Carafer, il faut la carafer combien de temps? Et s'il faut la carafer 4 heures et que mes invités arrivent dans 10 minutes, qu'est-ce que je fais? Sur le marché, il existait déjà ce qu'on appelle des aérateurs, des sortes de petits entonnoirs dans lesquels on faisait passer le vin, ça les aérait un peu. Voici venu l'ère de l'aérateur connecté, monsieur. C'est ça la révolution? C'est signé d'une start-up française, ça s'appelle Aven. Là, le process, vous allez voir, est totalement différent. J'ai pas amené de bouteille de vin, mais par contre, je vous ai apporté quelques images. L'idée, c'est que vous allez, présenter votre bouteille à la caméra de votre smartphone pour lui dire, ben voilà, c'est ça que je vais boire. Le smartphone va la reconnaître et va dire, ce vin-là, de cette année-là, il faut l'aérer, aller le décanter 3, 4 heures, 6 heures, 12 heures parfois. C'est une instruction qu'il va envoyer à l'aérateur qui, lui, va faire le filtre. Vous le mettez sur la bouteille, vous versez, et ça y est, ça marche. C'est remarquable en termes d'innovation. Ça vaut une centaine d'euros. C'est un véritable outil pour amateur éclairé. Ça, c'est pour le vin. Si on est amateur de cocktails, cette fois. C'est vachement plus rigolo. Là, justement, c'est la création d'une autre start-up française, elle aussi, qui s'appelle Quantum avec un K. C'est ceci, ça s'appelle Orchestra. C'est le premier robot qui va, une espèce de robot mixologue, qui va faire vos cocktails à votre place. Fonctionnement très simple, vous le chargez comme des cartouches d'encre sur une imprimante, sinon qu'ici, alors vu là aussi, c'est la matinale, donc on n'a que du thé et des jus de fruits ce matin. C'est bien, sans alcool. On va vous faire un petit cocktail sans alcool, vous le chargez, et de l'autre côté, vous avez sur une tablette une application qui reconnaît les ingrédients que vous avez mis et qui va vous permettre de choisir. Alors, je vais vous faire un petit matcha ginger ce matin, Adrien. J'allais vous le demander. Voilà, etc. Ça, c'est fait. Normalement, la préparation est en cours. Il va aller se servir entre le sirop de gingembre, les jus de fruits et le reste. Et il va vous faire le cocktail que vous avez demandé. Alors, évidemment, ça marche aussi avec des cocktails alcoolisés si vous faites ça le soir et avec modération. Ça y est, il se met en marche. C'est assez remarquable parce que ça va permettre d'apporter des cocktails là où il n'y a pas de bar à cocktails, dans des halls d'hôtels, dans des magasins, voire même dans des duty-free. Bref, ça a pas mal d'applications. Reste que ça sort dans les mois à venir. C'est là aussi une belle innovation d'une start-up française. Mais donc ça coûte cher quand même, ça. C'est pour ça que vous me parlez de professionnel. Alors, là. Regardez, ça y est, ça marche. Alors, le prix est presque secondaire parce que c'est fait uniquement pour les professionnels qui vont le louer. C'est pas fait pour être installé dans votre salon. C'est plutôt des professionnels qui vont payer ça une centaine d'euros par mois, plus évidemment tous les ingrédients qui vont avec. Et on va goûter ça avec beaucoup de plaisir. Évidemment. Merci Cédric, vous restez avec nous dans un instant. L'édito politique, Renaud Pilat.